quand monsieur s'occupe du petit-déj. Il essaie de me faire mon latte en plus à la perfection, il ne dose pas trop. Vous savez que moi je suis chiante pour ça. Franchement, la French touch pour les petits-déj, c'est la vie. Bonne journée! Pour maman, pour Adrien. Voilà. En rentrant de l'école, mon fils. Allez, viens, on y va. Allez, on rentre. Hier, mon fils, il est rentré avec deux cadeaux. Un pour maman et un pour papa. C'est trop mignon. Pouvais pas laisser mon ami supporter son équipe tout seul. Je pouvais pas. Je l'ai rejoué. Il est full, le seul de full supporter. Un supporter là. Si il gagne, tu cours sur la route avec le drapeau. Et je fais des dingues. C'est vrai? Je retourne la table. Bon. Allez, en espérant qu'il gagne. Je suis de tout cœur avec toi. Ah, je t'ai apporté tout mon soutien, mon frère. Enfin, je t'apporte tout mon soutien. Il est pas bien, il est tout transpirant. Nico, dis-nous un petit pronom. Franchement, objectivement, 1-1, prolongation, pénalty, et on passe. Hein? Allez, on voit ça à la fin du match. 0-0. On voit ça à la fin du match. Mais tu as vu ce qu'ils ont fait le dernier match? Elles ont fait de la grippe, c'est la Corée, mais pas la Corée. Tu respectes pour la Corée. Hein. Tu penses que Modric y marque ce soir? Non, pas lui. Foie gras. Starter, foie gras. Changer d'endroit finalement. Là c'est mieux. Petit espace privé. Hop. Là on est tranquille là. Comme ça, s'il perd, il va pouvoir se mettre en PLS ici. Tranquille. Ça me dérange, il y a un fil qui part. Très méticuleux. Hein. Ah là, dans mon box. Voilà. Là il est tranquille là. Il a son petit box tranquille. Bon, j'avais prévu que ce fauteuil était pour toi, au cas où il perdait, tu te mettais en PLS. Hein? Et voilà, on est bien là. Petite lunette, à une branche. Oh là 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 là! Il est dans tous ses états! Jamais, c'est jamais! 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 Encore une fois, jamais! Jamais! Voilà! C'est jamais! Jamais, tu dis! Jouer à la baballe! On est là! 4 000
de tir au but. Séance de tir au but. Putain, je vais me tourner. Tout à l'heure, il me dit, j'ai mal au ventre. Putain, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre. Bon, il était dépité quand la Croatie perdait 0. Et là, ce gars-là, il lui a remis du bon au cœur. Il a remis du bon au cœur à Nico. Donc là, il est vite parti décharger et il m'a il fallait pas justement que je mette de savon sur ma peau, il fallait pas que je mette de produits à base d'huile, juste de la crème hydratante. Donc j'ai vraiment suivi le process pour vraiment maintenir mon teint, mais là que j'ai dépassé les 48 heures, je peux. Voilà, donc j'ai fait ce savon là. Je vous disais que j'allais m'appliquer l'huile de pépins de figue de Barbarie. J'ai déjà commencé par rincer le savon. Alors attendez, comme je vous le dis à chaque fois, une goutte suffit. Que pas besoin d'en mettre les tonnes, vous mettez une goutte sur chaque partie de votre visage. Vient de se faire livrer. Sachez que ce qui se trouve à l'intérieur de cette box, c'est tout simplement le meilleur Mongolian beef. Oula, purée, j'ai voulu le faire à la stylée, mais c'est accroché. Voilà, on y arrive. Je disais donc qu'il s'agissait du meilleur Mongolian beef de Dubaï. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce plat, c'est une sorte de bœuf sauté que j'ai connu moi ici d'ailleurs, je ne le connaissais pas avant. En France, je crois pas qu'on l'ait trop dans les restaurants ça. Mais comment vous dire que, oh là là, incroyable. Donc si vous êtes de passage à Dubaï, allez à ce resto. Me demandez pas pourquoi, le sticky rice de ce soir, il est bleu. Je me suis dit c'est périmé ou... Ben non, c'est juste excellent et c'est bleu quoi. Grave. Allez, on va se recommencer une nouvelle série. Face à laquelle je vais m'endormir dans 10 minutes.